Bonjour et bienvenue dans cette méditation avec Sanat Kubara, qui est un être spirituel d'une très haute vibration. Et son nom signifie en sanskrit jeunesse éternelle. Donc jeunesse éternelle. Donc, c'est quelqu'un qui va vous permettre de vous connecter à votre enfant intérieur, accéder à votre belle jeunesse éternelle, à votre essence. C'est un sage du coup indien, un apporteur de lumière. Donc, si vous voulez en savoir plus, inscrivez-vous à la formation que je vais bientôt sortir sur les maîtres ascensionnés. Et toutes ces méditations vont s'inscrire dans ce cadre-là. Et en attendant, qu'est-ce que ça vous apporte de travailler avec Sanat Kumara? Ben, ça nous permet, ça va vous permettre de vous aligner avec votre mission divine. Donc, ça nous permet à tous, hein, de nous aligner avec notre mission divine. Ça nous soutient également dans le fait de se connecter avec des énergies supérieures. Ça nous guide à nous connecter avec notre propre lumière et ça nous aide à travailler avec d'autres dimensions. Donc vous voyez que c'est une très très belle énergie. Et du coup, ça nous permet de nous reconnecter à la lumière que l'on a en nous, qui soit cachée hein, par nos pensées limitations, nos pensées négatives. Mais nous portons tous en nous, dans notre cœur, cette belle lumière cosmique, cette belle lumière divine, qui est l'apanage de tous les êtres vivants. Très bien, et bien on va commencer la méditation. Trouvez une position où vous êtes à l'aise. Inspire profondément. Expire profondément. Inspire profondément. Expirez profondément. Inspirez profondément. Cette fois-ci, en inspirant profondément, imaginez que des racines vont pousser jusqu'au centre de la Terre. Donc, inspirez profondément. Poussez des racines jusqu'au centre de la Terre. Voilà. Et ensuite, laissez l'énergie de la Terre, de Gaïa, remonter par votre ancrage. Purifiez vos jambes, votre torse, vos bras, votre tête et tout vos corps subtils, du corps physique au corps divin. Très bien. Super. Donc vous êtes bien ancré à Gaïa, la Terre Mère. Vous sentez stabilisé, fort, forte, ancré. Super. Maintenant, quand vous inspirez, imaginez que vous allez vers le haut. C'est comme si vous étiez dans un ascenseur, vous allez vers le haut. Donc j'inspire, je monte, ma conscience monte. Et imaginez que votre chakra coronal s'ouvre et qu'une belle lumière descend de l'univers. Une belle lumière, couleur des étoiles. Et imaginez que cette belle lumière des étoiles se connecte à votre Merkaba, donc ces sortes d'étoiles qui tournent autour de vous, et s'active votre Merkaba. Et du coup, connectez-vous intégralement à cette belle lumière des étoiles, et votre Merkaba s'active. Et maintenant, un portail de lumière s'ouvre au-dessus de vous, au-dessus de votre chakra coronal, et vous voyez une voie lactée d'étoiles qui brille telle des étoiles juste au-dessus de vous. Et vous êtes connecté du coup à votre porte des étoiles personnelle. Et maintenant vous allez pouvoir accueillir à travers votre porte des étoiles Sanat Kumara, soit en le disant intérieurement ou en le vocalisant comme moi. Sanat Kumara. Sanat Kumara. Merci, Sanat Kumara, de venir à moi maintenant. Merci, Sanat Kumara, de venir à moi maintenant. J'accueille ton leadership et ton soutien. J'accueille ton leadership
et ton soutien. Je suis prêt à me souvenir de ma vérité. Je suis prêt à me souvenir de ma vérité. Je suis déterminé à être activé par la lumière à un niveau cellulaire profond. Je suis déterminé à être activé par la lumière à un niveau cellulaire profond. Je me sens si bien de savoir que tu es là. Je me sens rassuré, hein, je me sens si bien en sachant que tu es là avec moi, auprès de moi. Que tu mènes le chemin avec ton acceptation éternelle et ton amour. Merci, je me sens si bien en ta présence, maintenant que je sais que tu mènes le chemin avec ton acceptation éternelle et ton amour. Merci, Anand Kumara, de tenir cet espace afin que je puisse accéder à la sagesse ancienne que j'ai en moi. Donc merci, Anand Kumara, de tenir cet espace pour moi afin que je puisse accéder à une sagesse ancienne que je porte en moi. Je suis déterminé à me souvenir. Je suis déterminé à me souvenir. Je reconnais le pouvoir de mon intention. Je reconnais le pouvoir de mon intention. Je débloque ma vérité. Je débloque ma vérité. Qu'elle soit révélée dans la séquence de temps-espace parfaite. Qu'elle soit révélée dans la séquence de l'espace-temps parfaite. J'inspire la lumière de la source. J'inspire la lumière de la source. J'expire aussi la lumière de la source. Donc je laisse la lumière de la source me purifier, me pénétrer à un niveau profond, à un niveau cellulaire profond, sur tous les plans. Je m'illumine au niveau cellulaire. Je m'illumine au niveau cellulaire. J'accueille la lumière de la source. J'accueille la lumière de la source. Et à partir de maintenant, tous les choix que je fais sont alignés avec le bien suprême. À partir de maintenant, tous les choix que je fais sont alignés avec le bien suprême. Je suis embrassé par la lumière de la source. Je suis embrassé par la lumière de la source, du divin, de l'univers, cosmos, du grand tout. Je suis la lumière. Je suis la lumière. Et ainsi soit-il. Et ainsi soit-il. Super. Donc ressentez cette profonde connexion que vous avez avec la source, avec Sanat Kumara. Ressentez cet amour englobant. Sentez-vous protégé, aimé, valorisé, respecté. Et quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux. Si jamais vous avez eu des messages d'amour de Sanat Kumara, de la source, notez-les dans le journal. Ce sont des cadeaux pour vous. Je vous remercie beaucoup d'avoir fait ces méditations avec moi. Je remercie beaucoup Sanat Kumara d'avoir accepté, d'avoir accompagné dans cette très belle méditation que j'ai beaucoup aimée. Et je vous dis à bientôt, donc peut-être à demain, pour la redite de cette très belle méditation. Ou sinon, pour une nouvelle méditation, soit des maîtres ascensionnés qui sont déjà sortis avant, d'accord, donc les lettres A à S, ou alors pour les futures méditations qui vont sortir un jour qui suivent celle-ci, Sérapis B notamment. Shiva, Stoptet, Toth, Lady Vénus, il reste quelques humains. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Likez, souscrivez, commentez la chaîne. Parlez-en autour de vous. Invitez vos amis pour méditer avec vous, soit à distance, soit en venant chez vous, si c'est possible, ou dans un parc. Donc, organisez des petits événements sympas. Et je vous dis à très bientôt pour les aventures méditatives. Gros bisous. Je vous aime.